Hello World, c'est Golden et bienvenue pour ce 13e épisode de Holy Cube saison 6, le serveur en ultra hardcore. Un épisode qui aujourd'hui va être pas mal rempli en termes de multi puisque je prévois de faire une petite prank et également un petit Ocean Monument mais d'une façon très particulière. Qu'en fait j'étais tranquillement en train de me déplacer au niveau du spawn quand j'ai croisé la route de Wutan. À ce moment-là, j'étais en train de parler des têtes de mobs parce que je n'avais pas encore obtenu celles de Guardian et de Elder Guardian. Et ça tombe plutôt pas mal puisque Wutan a écouté ma conversation et est venu tout simplement me dire « Bah écoute Golden, moi j'ai envie de faire un Ocean Monument pour avoir des éponges, ça pourrait m'être utile. Et bah en échange, pourquoi est-ce que tu viendrais pas me filer un coup de main et puis tu pourrais récupérer des petites têtes comme ça ?» Bien évidemment, j'ai répondu un grand oui, ce qui fait quand même plutôt plaisir comme cet énorme bâtiment incroyable. Mais il m'a dit qu'il voulait vraiment faire ce temple de Guardian d'une façon très précise en utilisant les fameuses axolotes. Vous savez, c'est les fameux petits mobs là qui traînent dans l'eau, dont le fameux mob que j'ai galéré à avoir une chance sur 1200 qui puisse spawner en bleu, hein? Mais du coup, il en a pris quelques-uns et il les a reproduits, et je vous propose qu'on aille voir ça directement maintenant. Est-ce que les axolotes vont pouvoir vraiment nous aider? Ça, c'est la question que je me pose. Compliqué, c'est à faire. Je vous demande de Aïe. Vous arrêter. Ah, ça pique, hein, j'avais oublié à quel point ça piquait quand même. Il pique un peu quand même. Ah! Oh putain! Apparemment, il pique dur. Vite. Oh putain, un demi-cœur. Ah il fallait bien que ça commence. Évidemment. Let's go baby. Il est où le trou? Juste de ce côté là. Let's go. Pouf. Let's go. Il y en a deux. Ça a bugué. Ils en ont généré deux fois plus. C'est vrai? Tiens. Ouais. Let's go. Alors attends, il faut juste que je cache le trou. C'est bon. Allez. Allez vous battez. Allez vous battez. Let's go. Allez vous battre les mobs. On va voir si c'est efficace du coup cette technique là. Ah, franchement ils ont intérêt à faire du dégât la vérité. Ah bah j'espère. Et ça se tabasse là ou pas? Mais non, en vrai si ça va ça tabasse. Aïe merde. Bon ça meurt aussi hein, ça meurt un petit peu les axolotes j'ai l'impression mais ça a l'air de fonctionner hein, quand même. Hein. Regarde ils prennent des dégâts. Je vous montre qu'ils me resserrent à tous les buter quand même. Et après ils sont deux, hein. normalement ils sont censés être tout seuls. Ouais c'est un peu déloyal, bon ouais. En vrai on en pose 27 aussi là. Ouais, chacun sa merde. C'est vrai. Ah il a réussi à en buter un. Non, si, par contre t'as remarqué, on a réussi à en tuer un. Non mais attends, c'est la puissance. C'est abusé. Par contre t'as remarqué au niveau de leur focus, malgré le fait que ce soit blindé de... D'Axolot, ouais, c'est comme sur nous qu'ils nous voient, hein. C'est abusé. Ils restent focus sur nous quand même, ouais. Hein, tout à fait. Allez, ils ont l'air bien occupés là. Ah si, non c'est bon, bonjour. Bonjour, laissez-moi tranquille. Je garde les autres ou pas? Ah c'est bon, il l'a buté aussi. Il l'a buté? Eh bon, par eh, contre, chers amis. Par contre on a quand même perdu pas mal les axolotes. Hein. Je t'avoue quand même que... Non, ça je reste positif. On en a buté deux. Attends, on en a buté deux. Ouais, deux quand même. La force de frappe adverse était réelle. Il n'y a plus qu'à les ramasser puis on va les... Exactement, ouais, et bah écoutez, moi j'appelle ça un succès. Hein. J'avoue que désolé, ça marche plutôt bien quand même. En plus, ils se régènent. Bon, ils se régènent pas assez vite pour tout survivre, mais c'est un travail de groupe, toi. Il y en a qui hésitaient au début, enfin, ouais, mais il faut vraiment qu'on avance. C'est normal, il y en a qui sont un peu tâtés, il y en a qui sont en train d'explorer hein, d'ailleurs. Tant mieux. Ce qu'il veut, lui, il veut se battre. Ah, vas-y, focus sur moi. L'avantage, c'est que pendant qu'il est focus sur moi, on peut le prendre. Ah, il y a un boss là. Ouais. Alors attends. Allez, on lâche les fauves. Ah, c'est parti les gars. Et là par contre cette fois-ci c'est il y en a bien qu'un seul hein. Normalement ouais. Non, touche pas toi. Laisse-le. Attaquez là, let's go. Laisse l'axolotl tranquille. Ah ils sont deux, merde, je me casse. Il se passe des trucs ici là. Il se passe quoi là? Ah ils sont nombreux par contre. Ouais, ils sont nombreux là. Ouais. Les machins ils sont pas très sereins, j'ai l'impression. Ah mais il y en a deux ici, what the fuck. Ouais donc ça a bien bugué, ils ont généré deux fois plus que ce que ça devrait. C'est comme le dragon en fait. Ça va être un bug fabrique ça, parce que le dragon aussi, il y a eu deux dragons. C'est une power of friendship. Incroyable. Grave, merci. Et franchement, on sait quoi. Ça part d'un délire mais au final, en fait ils sont pas si inutiles que ça, par contre il en faut quand même une chier. Ouais. C'est clair. Il faut quand même une sacrée armada. Je veux dire, la shulker était quand même pas de trop. Bah, je crois que par contre, ils sont tous morts. Il en reste plus qu'un là que je viens de remettre. Bon, de toute façon, après, on va les finir. Oh my goodness! Par contre, la vie. C'est sérieux quand la vie descend aussi.
Ah, toi aussi t'as pris cher. Ouais. Ah, tu prends un petit coup là, c'est pof, 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 bonjour. Ouais. Oh salut mon dieu. Salut à tous, c'est Fanta. Ah, ouais, j'ai une tête, trop bien. C'est vrai que quand on les tue par looting, on a une petite tête de Elder Guardian. C'est ça. Le pouvoir de l'amitié là, il était là au début, mais attends derrière toi. Bah, en vrai, ils en ont tué 3, ce qui est normalement le niveau. Niveau normal, hein. Il est censé en avoir 3 par donjon. Donc ça veut dire qu'avec une shulker, tu peux faire un temple entier. Donc là, on en a tué 4, c'est juste n'importe quoi. Ouais, par contre, c'est abusé. Le cheat des réels. Allez pas nous dénoncer, s'il vous plaît, on veut encore jouer sur Holycube. Et donc, oui, il y en a encore bel et bien 2, hein. Donc il y en a 6 au total. 6, mais attends, complètement abusé encore. C'est dingue en vrai quoi. Alors clac et clac. Puis en plus il y en a tellement là. Il y a tellement de petits guardians. Non monsieur, là. Ça passe à travers la porte non? Non. Les portes c'est bien pour casser le rayon quand même. Hein. Ouais. Oh, comme ça il va changer de focus. Non. Oh. Il y en a tellement là, c'est abusé. Tranquille parce que là... Après, oh putain j'ai eu le truc du dauphin en plein fight là. Ça devient compliqué là. Le bordel. Oh super, en plus je me suis tapé du mini fatigue, j'ai pas besoin de le buter à temps. Voilà, en moins. Vas-y, le focus sur moi. Let's go le finir. Ah GG, let's go. Nice. Super. Par contre, c'est un peu la... Oula, je vais m'en prendre un. Non, c'est bon. Par contre, c'est un peu la méga déception, c'est au niveau des éponges. Ouais, je crois que c'est pas un donjon qui est incroyable. J'ai deux éponges, quoi. J'ai deux éponges. Il est bizarrement généré quand même le donjon aussi, hein. Voilà, et là t'en as. Bah après ce qui est... Oh yeah, mon dieu, attends, je vais boire le bucket de lait. Vas-y, après ce qui est bon, c'est du coup, moi je peux... Si ça te va, moi je prends cette salle et toi tu prends l'autre. Comme tu veux, après je vais pas en avoir besoin d'énormément, mais... Ça peut toujours être pratique, ah, hein, oui, d'en avoir. Ah oui, ça peut toujours être pratique, c'est sûr. Par contre, j'ai pas les outils. Van Miner, non, ça marche pas. Ouais, Van Miner, comme ça là. Ouais, moi j'ai pas pris l'outil. Du coup, j'étais plutôt content de faire ce test parce que je ne savais pas qu'une shulker pouvait suffire en termes de faire le temple de l'océan. Du coup, au moins j'aurais appris quelque chose aujourd'hui et ça, ça fait quand même plutôt plaisir. Et comme j'avais dit au début de cette vidéo, je vais vous montrer maintenant une petite prank qu'on a fait avec Aryux et il va falloir pour cela que je vous explique un petit peu comment on a fait. Pendant qu'on est sur le chemin, je vais vous expliquer ce que devait être cette petite prank à l'origine. En fait, tout simplement, Aryux voulait faire une petite salle assez spéciale en termes de déco et tout. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter un truc qui pourrait rendre vraiment vraiment beaucoup mieux. Et en fait c'est chiant, c'est quand tu montes des shulkers quand tu sais. Mec, après, j'ai trouvé un truc, on va passer de la prank de 5% réussi à 100% réussi. Jure, vraiment. J'ai trouvé un truc mec. Mais par contre, il va peut-être falloir que tu te couches pas de la nuit. Ça c'est le souci. Non mais c'est pas regarde. Mec, c'est pas, regarde. Tu vois, tu te dis. Ah, si seulement dans Minecraft il y avait un bloc qui permettait qu'on voyait pas à travers et tout, tu te dirais, vas-y, reste là. Tu te dirais, ah, ça serait tellement bien et tout. C'est vrai que ça serait tellement pratique d'avoir un petit bloc, tu fais ça, tac, et puis hop. Ah, je te jure, ouais. C'est comment tu fais le truc? Et là, je l'ai posé quand tu viens voir de l'autre côté, elle est posée. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que si on fait une map géante avec la deep slate, bon, alors c'est chiant, hein, mais si on la fait et qu'on la met sur ce bloc là. Il ne le verra jamais. Et en plus, quand tu le mets de l'autre côté, tu vois bien en travers. Et là, la bloc, le truc, il est 100% réussi. Oh, il est trop fort. Ça serait trop. Ah, je dors pas. Mais par contre, tu dors pas avec moi, je. Ah, écoute, ça va être compliqué. En fait, ce truc, c'est tout simplement d'utiliser la fameuse Holy Wrench qu'on a dans le datapack Holycube qui nous permet de faire un debug stick qui nous permet par la suite de pouvoir, par exemple, mettre des item frames en invisible et aussi en fixé. Chose qui était très pratique pour pouvoir faire justement la petite prank que je vais vous montrer directement en utilisant ce fameux petit portail. Ouch, brûle. Ah, ça brûle. Et voilà à quoi ressemble cette fameuse prank. C'est vraiment le gros bordel avec tous les blocs partout. Vous allez peut-être me demander, mais Golden, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ça ressemble pas du tout à une prank ça, puis en plus on n'est pas du tout chaibière. Et bien en fait c'est parce que si on utilise la map pour update, ça nous fait tout simplement un bloc de deep slate. Et donc voici à quoi ressemble la petite salle que vous aurez bien évidemment remarqué, j'avais pas vu ça. Mais c'est honteux, ça c'est honteux. Ah là, attendez, on va corriger ça parce que là il y a un souci quelque part. Je crois qu'ils ont modifié un truc, ouais c'était... Ah là, comme ça c'est parfait, nickel. Et donc du coup ici c'est là où je voulais en venir. Le fait d'avoir ces petites maps, ça nous permet de faire une petite chose, c'est que lorsqu'on arrive là, hop oui, là il y a un mur. Et quand on passe par là,
Ah, il n'y a plus de mur. Incroyable. Et c'est grâce du coup à ces fameuses maps qu'on peut simplement fixer et puis comme ça en les mettant invisible on voit à travers, ce qui est quand même vachement pratique hein, comme ça hop. Le seul souci en fait c'est qu'on aurait dû faire ça partout et qu'on fallait aussi qu'on fasse des minerais de diamants, mais bon ça aurait été un peu long. Mais en soi je pense que si on avait mis tout le truc, peut-être qu'Apir aurait pas remarqué, même si ça paraît quand même encore un petit peu clair, mais bon. Quelle est la prank? Pas mal ce petit cube hein. Ouais. Voilà, il est trop bon. Oh putain ouais. Oh fuck. C'est pour me mater de l'intérieur. Ah mais non, mais non. Oh, putain. Et, d'accord, c'était donc pour ça, cette map. Bah oui. Mais oui. C'était pour... Mais alors, c'était bien visible quand même. Hein. Non. En fait, vrai, on voulait faire toute la salle, mais bon... Ouais, en faisant toute la salle, mais il aurait fallu faire le diamant du coup. Oui, ouais, bah c'était prévu. Mais bon, tu l'as bien. D'accord. Bah en fait, j'ai juste regardé vos streams et pour ça, et je me suis dit, à coup sûr, c'est moi. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait du vert ici. Comme ça, tu peux voir à travers. Alors, par contre, j'ai découvert votre salle, mais vraiment en full par hasard, hein, avant. Du coup, Chiant. Parce que franchement, mec, on y a mis du cœur, on est en mode, ça va être ah, mais incroyable. Elle est... Mais elle est incroyable. Quand j'ai découvert la salle, j'ai fait, mais non, mais quand est-ce qu'ils ont fait ça? Et vraiment, vraiment full par hasard, c'était bien planqué, juste pas de chance, c'était un bloc trop loin quand on a fait la déco là-bas quoi. Ouais, en plus on a décalé le mur de l'autre côté tout, pour ouais. Pas trop que ça se voit. Mais en plus c'est trop bien parce que d'ici tu mates la chambre. Ouais. Mais oui, et toi, c'est pour ça qu'il y a une caméra là. Ah oui, non, tu vois rien. C'est ça qui est trop bien. En plus ce qui est bien c'est que c'est une prank qui est réutilisable parce que suffit que quelqu'un fasse le abakiving. Tu te balades dans une grotte avec quelqu'un qui est déjà en train de participer, tu poses des diamants en invisible et puis let's go. Et puis let's go, ouais. Ils sont où mes diamants? Non, je les ai pas moi. Ah, c'est moi qui les ai, tiens. Il n'y en a pas beaucoup, il y en avait que 3. Hein. Bon, ça va. Alors, c'est. Pourquoi j'ai beaucoup de diamants moi sur moi? Ah, ça doit être vrai, quand j'ai récupéré un truc. Attends, comment non. Ça? Non, mais c'est à moi. Je suis le TP, c'est tout ce qui va gagner. Ah. Est-ce qu'il va avoir le temps? Ah. Il a fait le temps. Il a été TP? Oui, vite, il va se re-TP, vite, faut qu'on se tient. Vite. Allô? T'entends avec ton micro dégueulasse. Attends, mais comment t'es dans le mur là? Attends, mais il a creusé bien, ils sont là. Il y a vos ailes qui dépassent derrière. Ah oh merde. Non mais c'est pas mal, j'avoue, je m'attendais pas à ça. C'est pas mal du tout. C'était plus pour le fun, hein. On voulait rajouter un truc en plus, mais en soi c'était vraiment pas obligatoire. Mais comme ça au moins on a fait une petite prank, et puis voilà, c'est plutôt cool. Bref, du coup je pense que c'était là pour cet épisode de Holy Cube. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, ça permet de me soutenir énormément, donc merci à vous tous ceux qui le feront. Et sur ce, on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss.